On était là dans un quartier qui était complètement à l'abandon au niveau de la voirie. Et dès qu'il fait beau, la plage devient un espace de liberté et de loisirs très couru. Et donc les gens stationnent n'importe comment en abîmant les trottoirs, en abîmant les abords, en abîmant la végétation. Nous avons voulu mettre en place des aménagements qui suppriment le maximum de places de stationnement tout en gardant quelques-unes gérées en green et surtout d'avoir des bassins pluviaux qui permettent d'avoir une meilleure gestion de l'eau, d'avoir une approche très environnementale qui respecte la biodiversité et qui respecte un écosystème très naturel. Et sur l'avenue des Devises, l'installation de nous qui ont permis là aussi cette approche écologique très forte. L'Agence de l'eau a été à la fois un accompagnateur très important pour nous puisqu'il était force de proposition sur la volonté municipale. Elle nous a accompagnés au niveau financier puisque la plupart des projets sur ces aspects-là ont été financés jusqu'à 80% pour certains d'entre eux. Mais surtout, on a pu avoir une ingénierie et une réflexion apportée sur cette compétence ô combien importante de la gestion de l'eau. Il y a eu un grand débat à Cabourg sur l'origine du dessin urbanistique de la ville qui était construit en amphithéâtre autour du Grand Hôtel et du Casino. Et beaucoup d'anciens avaient peur que ça vienne dénaturer le plan original. Et je crois que surtout, il ne faut pas avoir peur de repenser le dessin de la ville et que l'urbanisme, c'est quelque chose qui évolue et qui doit être évolutif en fonction des exigences de la nature et pas l'inverse.